Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Nous sommes dans le dôme perdu avec Andrew pour son initiation et nous sommes juste lui et moi. Et c'est parti, mon kiki. My master brought me to a dome like this when I became a technomancer. It was full of relics collected by generations of technomancers from abundance. Ah, c'est exactement le même. There were old consoles there that would allow me to listen to the old recordings, discussions, musings of the settlers, and a little view of their life. Je crois que c'est exactement le même. There's not much left of what we used to be. Et c'est exactement le même parce que tous les coffres sont. So I want to tell you what I learned from my master Sean. Or a mantis destroyed all the knowledge that was there. All right. Hop. On se fait même pas agresser, c'est naze. What was your master like? He was quiet and kept to himself, but over time we still managed to grow close. He hated how technomancers. Ah oui, c'est vrai, faut pas les ouvrir. Dreamed of freedom. He seemed calm, cool and collected, but on the inside, he was all rebel. He couldn't stand taking orders, which never goes down well. Miss him? No matter how many times you're told, or how well you know that one day you're going to be separated from your parents or masters, never makes it easier when it finally happens. And it's only harder when you have no one else to really guide you. Technomancers are my family, but Sean was like my father. Il dit John alors que c'est Sean. I had a feeling I would have liked him if I'd ever had the chance to know him. There's whole boxes of odd stuff. It's like a museum exhibit and a looter's dream. I still have no clue what these plates are for. They look denser than my history. OK, on y est. Bon. Allez. Ouvre-moi cette porte. Fait. Et c'est à nous. Je t'en prie, vas-y. There was a pitch black circular room with a console in the middle. When I started it up, flickering bluish images appeared. A doctor examining a man. The man had apparently undergone a mutation. That allowed him to generate a massive electrical charge. He was the first technomancer, Andrew. So you're saying you and I are afflicted with a specific mutation that the settlers were studying. It's why they created our gear. You, who has witnessed the secret with your own eyes, who, in your heart, knows the knowledge that he bears is true, and has understood that this knowledge could cast our kind into an endless pit of despair. C'est toujours la même phrase, hein. Mais ça fait qu'une ligne, à peine un quart de ligne. The water that feeds our lives. Abandon who you thought you were. And now, become our brother, Andrew Mancer. Maintenant, je t'en prie, tourne-toi et penche-toi en avant. Et relax. And secret. Now, swear to forever protect the knowledge of the earth. And dedicate your life to finding it. Oh, c'est chiant. To defend and protect our secret. Even if you must sacrifice your life to do so. On passe pas assez de temps dans la. I swear I will. Dans le. Welcome, brother. Dans la caste des technomans officielle, entre guillemets, si je puis dire, pour avoir un quelconque intérêt pour ça, en fait. Ok, c'est cool. Alors normalement après il y a un grand combat, donc j'ai retrouvé la même bestiole. Vas-y, je t'en prie, éclate-toi. Non, c'est pas ça? Quel dommage. J'aurais tellement apprécié que ça le soit. Hop. Ok. Pas de gros monstre? Pas de gros monstre. Tant pis. J'aurais tellement apprécié un gros monstre. Eh ben il va être temps qu'on aille voir des gens alors. Bon. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux et pas à un vieux donjon déjà fait, etc. 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 Je suis déçu. Je suis assez déçu. Eh ben c'est parti, on y va. On va aller voir tout le monde.
Oh, taisez-vous. Ah bah non, vous parliez pas. Oh, excusez-moi. C'est l'habitude. Parfois, je me pose des questions sur mes copains. Hop, alors, Andrew et Amelia. Scott, je pense que tu comprendras que je ne veux pas toi dans mon équipe. Je peux plus avoir confiance en toi. Donc, ça, c'est fait. Ok. Yo, les filles. C'est les dératiseurs. Hop. Aïe. Je suis pas passé dans le bon truc. Ah, j'ai pas le temps. Hop. Hop, il est tombé. Il est tombé, frappe. C'est bon. Hop. Hop, c'est bon, on l'a eu. Donc, le chemin pour Elisa, c'était par là, il me semble. Là, il va y avoir des escaliers. Enfin, des, ouais, des échelles, pardon. Hop, c'est bon. De mémoire, ensuite. Voilà, ça va y avoir une porte. C'est ça, on est bon. Des gens ratés. Oh! Je l'avais pas vu. Oula. C'est qui frappe dur, hein. Hop. Un petit coup de soin. Oula, pourquoi on a gaspillé tant que ça? Hop. Boum. T'as failli tuer un de tes potes. Hop, raté. Hop. Aïe. Hop. Raté, t'es trop mauvais. Aïe. Non. Oh mais non. Mais le mec il met une demi-heure à se relever quoi. Ah. Allez, vengeance. Bah bien sûr. Hop. Un petit coup de soin. Un deuxième petit coup de soin. Hop. Boum. Aïe. Oh là. Je croyais que t'étais mort toi. Bah voilà. Oh. Oh le petit coup. Bien en traître. Tu le dis si je te fais chier. Hop. Oh mais merde. Oui je sais, il paraît que c'est ma phrase mais merde. Non, toi non. Toi tu restes à ta place, ça vaut mieux. Oh la pauvre. Oh. Tu vas te calmer Simone. Merci. Ah. Niveau 34, parfait. Ça, c'est bon ça. Ok, on peut mettre des points supplémentaires ici. Hop, faisons ça comme ça. Je sais qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le pouvoir 5, là, le fameux pouvoir 5, mais bon, c'est pas grave. Cependant, niveau armement...
Hop, prends celui-là. Hop. C'est parti. On y va. De mémoire, c'est par la petite porte. Et là, on va tomber sur des escaliers. Voilà, c'est ça. Donc là, on va voir Elisa Major, notre capitaine. Qui, je l'espère, ne sera pas... Oula, oui, c'est vrai. On peut pas monter plus haut. Ne se sera pas fait prendre. Après, toutes les fois, on est venu la voir. Ce serait peut-être pas mal qu'elle ne se fasse pas prendre. Alors. Parfait. Non, ça a l'air d'aller. Bon. Hello. Captain, good to see you. I know this will sound crazy, but I need your help. The armies. I think I've come up with a way to turn the assembly against Victor. But for it to work, I'm gonna need allies. It's not crazy, Zach. He's out of control. Something needs to be done. Ah. The army always remembers a good soldier's loyalty. Sure as hell can't help you officially, but we'll do anything we can for you under the table. Ah. Ça c'est sympa. Avec mon capitaine. Bon. Ça c'est cool. Hop. On retourne dans les sous-sols et là direction l'Evory. Ce qui va se passer. Oh, je retraverse tout. Allez, je cours. Je sprint, chers amis. Je vais pas m'arrêter. C'est parti. Ils ont pas repop. Non, c'est bon. Allez, on y va. Hop. Si c'était là, c'est bon. Hop, raté. Hop. Hop. Tombe. Allez. Et tu vas tomber, oui. Elle veut pas tomber, hein. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi solide sur ses jambes, quoi. Ça y est. Voilà. Parfait. De mémoire. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc qui descendait, mais je savais plus où. Ok, et c'est là qu'on rencontrait la fille, voilà, qui voulait elle qu'on. Qui trouvait qu'on n'était pas assez discret, littéralement. Aïe. Boum. Hop, parfait. Progressons. Y'a rien par là? C'est un cul-de-sac? Ah oui, non. Ok. Hop. Parfait. C'est bon. Hop. Allons-y. Et on est bon. Ah, bah alors. Voilà, merci. On s'en sort pas si mal finalement. Si on peut avoir le soutien de tout le monde, par contre, ça serait rigolo. Ce serait vraiment le soulèvement intégral, si je puis dire. Il y a encore les cadavres de la dernière fois, par contre. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Là, il y aura des mondes qui viendra me. Voilà. Merci de bien vouloir cruellement décéder par terre. Voilà. Oh. Raté. Boum. Ok. Lui, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que... Pourquoi il est parti se planquer? Il est con.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop! Hop! Oh! Hop! Ah la vache, il a mis Amelia KO quand même, hein. Hop! Technique spéciale de la mort qui tue! C'est moi qui l'ai eu! Moi! Ah, ah. Ok, la suite. Alors, apparemment, c'est par là. Je ne peux pas passer là. Bon. Je crois cependant que je peux passer par en bas, vous allez voir. Voilà, ici, la porte. La petite porte ici. Parfait. Hop, on y va. Et on va voir donc Anton Rogue. Qui, contre toute attente, est notre ami. Hein. Je l'ai traité comme une merde depuis le début, mais c'est notre ami. Hello! A pleasure as always, Zach Rogue, man, sir. I hope my sarcasm wasn't too subtle for you to catch. Proposer une alliance. If I'm gonna destabilize Colonel Victor, I'm gonna need some allies. Then you better keep looking, Mr. Mancer. Unfortunately, the allies you've already made aren't folks I consider or want as much. Oh. Goodbye. Oh, tu es une saloperie. Pourtant, je croyais qu'on était copains. Je croyais qu'on était copains. Tu es un vilain petit garnement. Ok. Je m'en souviendrai. Quand on l'attaquera lui aussi. Je suis un peu paumé là, je vais pas vous mentir. Hop. Ah oui, faut qu'on aille dans le bar. Exact. Ok. Parfait. C'est dommage, il y aura que les rogues, que les Vori qui seront pas avec nous, je pense. Hop. Oh pardon, c'est à toi qu'il fallait que je parle. J'ai besoin de soldats. Well, now that you're asking, with Victor and the ASC after me, my only options are to keep running or retaliate. To retaliate though, I need some allies. I know you're right. Know it's a worthy war you'll wage. Know I owe you. But I can't risk joining with you, Zachariah. Oh, bah va te faire foutre alors. Ok. Ok. Je fais ses courses, je remplis son journal, mais non. Eh ben écoute, moi je pars en faisant des cabrioles. Et tout le monde trouve ça normal. Ok. Je saurais m'en souvenir de votre abandon lâche et absolument informel. Combien dans le coin là? What? Ah! Mais viens! Allez, viens, on est bien! Oh oui! Boum! Ça fait mal? Oh le shotgun! Ça fait mal ça. Wow, wow, wow. Oh le bout portant qui fait rien. Hop. Raté. Viens là mon cochon. Boum. Tu t'es approché tout trop près toi. Boum. La jugulaire. Ah. Voilà, meurs. Ok, ça s'est plutôt bien passé. Et je roule. Oh,
Bah alors? Oula, j'ai eu peur. Hop! Il est repoussé contre le mur, le pauvre. Hop! Parfait. On descend. Allez, descend. Hop, c'est bon. Ouh! Bah finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Allez, dans les sous-sols. On s'en est plutôt bien sorti. Je trouve. On n'a pas tous les alliés que j'espérais, mais dans l'ensemble, ça va. Hop. Allez. Hop, c'est bon, on l'a eu. Hop. Qu'est-ce que... Ouais. On va passer par là. Allez, les filles. Bah. Vous sortez pas? Y'a des taupes normalement ici. Oh merde. Dommage. C'est dommage. Tu le sens, mon gros coup de poison? Il est pas frais, mon poison? Blague moisi, hein. Je suis désolé, chers amis. Fallait que je la fasse. Hein. Fallait que je la fasse. Bah. Contre quoi vous vous battez? Oh non! On est en combat contre ce qu'il y a derrière la porte. Merci. Pfff. Des villes. Hop. Hop. T'es bon, t'es mort. Hop. Boum. Oh. Oh. Hop. Je suis déjà à 24. On est gaspillé tant que ça? Et bien, fait une petite surcharge, non? Hop. Pff. Andrew, t'es moisi. Honnêtement, Andrew, t'es... T'es vraiment pas bon. Et je dis vraiment ça parce que je veux pas être... Je veux pas te descendre de trop, hein. T'es vraiment mauvais, hein. T'es vraiment le pire des mauvais, quand même, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Hop, et je roule. Ah. C'est passé un truc. Oh là, j'ai un coup de téléphone au passage. Hop. Crac. Et on retourne à la Monument... Monument Valley. À la Mutante Valley. Ok. Ah, ça discute. J'entendais même pas le téléphone, vous voyez, avec le casque. For now, most mutants don't have an innate hatred for humans. We just need to give them time to heal. Still, we'll never be able to walk a mile in their shoes, and for that, we'll always be outsiders. I ain't mad though. If I were them, it'd be my personal mission to fuck up every single humanoid who said good day to me. Don't stress out about the rules. C'est vraiment la plus intelligente du groupe, hein. Mutated. I have heard tales. Yeah, what a beautiful place. Natural, organic, how refreshing. Humans should take notes. This city makes me sad. You're not gonna cry, are ya? I just had these seats cleaned. I mean, I think I would have liked to, you know before of its existence. It's all right. Sad is too grand. Oui, bah oui, bah écoute, t'es mauvais, c'est de ta faute, hein. T'as fait des conneries, hein.
C'est vraiment un déchet, Scott, hein. Je suis déçu. Bon, et bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'importe quoi, le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Bon, plus qu'à monter tout ça.